30 preview en 22 jours. Yes sir. Yes. Attention. Est on a aujourd'hui. Attention. Oh. Attention. Week-end festif. Autant on s'est occupé des roquettes autant je sens que sur cette preview aussi, on va pas mal se marrer. Ouais. Du, du coup, tu vois, les roquettes j'ai dit, ça allait être la meilleure preview parce que c'est ah. vrai qu'ils sont assez intouchables sur l'intersaison. Mais mais mais. Par <laughs> contre, sur ce qui nous a été offert. Euh, depuis six mois je pense que les clippers c'est pas mal aussi hein euh... comme les gens peuvent le voir ça se vous réveille avez sur moi. ah bah moi j'ai rêvé toute la nuit du coup d'œil dans le rétro je ne te cache pas que je suis très très chaud euh, on s'installe tranquillou en vous en la bise ce sont les 30 previews en 22 jours la série préférée de votre joueur préféré qui est <laughs> sur le point de se terminer mais en même temps les mauvaises nouvelles en apportent des bonnes Alex qu'est-ce qui revient Qu'est-ce qui revient bah, C'est la NBA, la Exactement. saison. Exactement. Hein euh, là, euh, plus que un dodo. Oui. Deux dodos. Attends. Allez, deux dodos. Deux dodos. C'est ça. Deux dodo. Et le ouais, le futur dodo, bah, le troisième dodo, euh, ça sera peut-être pas un dodo, ça sera peut-être un, un dodo NBA. C'est ça. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de voir nos amis Les Clippers sur une première affiche fort sympathique. On en reparlera. Mais donc on fait la bise à tous nos fans de la Love City Nation, ou plutôt de la Paul George et Kawaii Nation. Euh, ceux évidemment des Lakers aussi, on sent qu'ils vont de bien. Patoche se de la Nation. Ou de la Patoche Nation, exactement. Ou de la Choke Nation. J'ai ramené, ramené un petit peu de lecture. Comment chier dans les bois Voilà, j'ai l'impression que c'était dans le thème. Euh, évidemment, les, les, les sections ne bougent pas. Vous le savez, pour cette preview, c'est comme les précédentes. On va faire la question de la mort, le Gérard d'or, le 5 majeur, le marché de l'automne, etc. etc. Euh, on termine les dernières infos évidemment pour vous rappeler que la Trash Talk Fantasy League euh, redémarre aussi, elle, ce mardi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour jouer à tout ça. Que vous pouvez suivre le TTF Lab sur Twitter. Et évidemment, la bise à toute la rédaction. Giovanni Nicolas Ben qui vont vous régaler sur trash .co avec des articles toute l'année. Et Léonce qui assure qu'on étudie à la prod. C'est bien. Je pense que tu as oublié personne. Je pense, hein Doc Rivers le Clippers peut-être, ouais. <coughs> dont on va George. parler. L'agent de Paul George, non? Ouais. Ah, lui non, je ne l'ai pas oublié. <laughs> et il n'a pas oublié son stylo, lui. Salut les Kings. Ah, euh, c est c est un du coup, on va évidemment devoir commencer avec un très très grand moment de divertissement, de culture et de sport. Ceci s'appelle le coup d'œil dans le rétroviseur, ou Alors. autrement appelé pour les Clippers, un. ...spectacle d'humour. Alors... Euh, comment hey, dire On va commencer par le début. Ah bon ouais, Je pense que c'est bien. On a une saison régulière... ...tout en load management. Tout en doc-riversitude. Tout en... Tout en... En... Comment dire En... Paul George, pas terrible. Alors tu... Pas ouf, qui arrive jamais à se mettre en rythme. Tu démarres Kawhi la saison. Il joue un peu quand il veut. Oui, tu démarres la saison sans, sans Paul George. On se souvient ouais. de ce match-là, du début de saison. On se souvient de la hype de l'été. Les Clippers viennent de faire une belle saison avec Shaquille Juice, avec Landry Chamette, avec Montrezarel et Lou Williams. Et là, waouh Kawhi Leonard, Paul George. Incroyable cet effectif autour de ces deux stars, la hype les nouveaux maillots. Wow, on commence à voir des trucs sans Andreas. Ça va être une dinguerie. Cette ville est la nôtre. This is our city. Cette ville est la nôtre. Opening night, Clippers, Lakers, victoire des Clippers. Ouh. Christmas victoire. Day, Sérieuse. exactement. Christmas Day, nouvel Ouh. affrontement, nouvelle victoire. Et même si les Clippers démarrent la saison sans Paul George, tu vois tout de suite que euh, l'effectif les... de Doc Rivers est bien trop profond pour leur permettre en fait de vraiment euh, craquer puisque Et Comment et Talentueux, Winston-René oui, Talentueux, tout à fait. je veux dire, toi, Lou Williams, Montrezarel, tout ça, on est la putain. Hein Bien ah, sûr, ah, puisque la saison de Montrezarel en sortie de banc va lui permettre par la suite de remporter un joli gros trophée avant de remporter un autre trophée dont on parlera dans un gros tableau. <laughs> mais donc, oui, quand tu arrives à peu près à, à, à mi-janvier, on a des statement games, on a des matchs qui sont intéressants, mais on a aussi une certaine irrégularité. Pourquoi Parce que. On ne voit jamais les Clippers au complet. On n'a jamais cette équipe dont on a parlé tout l'été qui est capable d'être un soir, deux soirs, trois soirs de suite tous ensemble, Alex. Pas de continuité, pas de continuité, et ça d'ailleurs, on va en parler par la suite. Ça a d'ailleurs été l'une des plus grosses erreurs, erreur, je sais pas, c'est vraiment une erreur, si... En tout cas, c'est un des plus mauvais choix en fait des Clippers en termes de gestion humaine. Euh, sur cette saison régulière, c'est et on le sait maintenant parce que ça a fuit dans tous les sens et tout, c'est ce côté load management un peu genre euh, kawaii un peu ah je ouais. viens mais voici mes conditions Paul George je viens mais ça voici mes conditions qui on l'apprend par la suite mais quand tu l'apprends par la suite tu te remets à, 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 à penser à ce qui s'est passé tout au long de la saison et tu te dis bah ouais logique et donc du coup nous de l'extérieur ce qu'on voit c'est une équipe de Clippers forte un Kawhi qui joue pas tout le temps mais quand il joue on fait waouh ok il est quand même wow, il rigole pas du tout quand même ça reste vois. le MVP des finales des dernières finales quoi ouais. un Paul George qui euh, a du mal un peu à revenir euh, de sa blessure ça prend du temps Bien sûr. De le retrouver à 100%. Pendant ouais. ce temps-là, le job est fait par les montresarel Lou Williams, Landry Chamette. Euh, Tout à euh, fait. Et, et autres. Marcus Morris qui arrivera en cours de route. Bah, C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire tout à fait dans la quantité de, de ce que tu as annoncé là. C'est que qu'il y a des garçons qui font le, le boulot sur le terrain, certes, mais il y a aussi un Lawrence Frank avec tous ses sbires et, et Jerry West qui arrivent et qui font Ok, très bien, Chut. Marcus Morris, un petit transfert, bonjour. Reggie Jackson, qu'on va aller récupérer pour encore plus booster notre banc. Un petit joueur Kim Noah, au cas où, pour euh, euh, apporter de l'expérience et du vétéran euh, euh, sur le banc. Il y a cette passe. Entre guillemets, hein, c'est pas une passe, un caviar, hein, mais il y a cette passe de fin février là, dont tu dois te souvenir, fin février, début mars, où on voit des Clippers qui sont injouables. Il y a cette bataille entre, entre les deux équipes de Los Angeles où les Clippers mettent une roost, je pense que t'en souviens, chez les Rockets, une, une mixtape des Clippers à fond où on les regarde et on se dit, waouh, ok, si eux vraiment ils sont au complet, ils jouent comme ça défensivement, et offensivement, qu'est-ce que tu veux faire On a dit les mots à l'époque. On a dit si eux ils jouent concentrés comme ça. Très compliqué à jouer. C'est clair. Très compliqué à jouer. Bah, -là, de toute façon, c'est pas compliqué. La seule équipe qui les a battus, c'est les Lakers. Dans un match euh, qu'on a vu ensemble euh, au tout Ninkasi à, à Lyon. À Lyon, exactement. Euh, donc bon, un match, euh, gros match. Hein. Euh, donc oui, ils font peur. Ils ont trop de profondeur d'effectifs, ils ont trop de talent. Ils ont Kawhi Leonard, qui est un monstre froid, euh, qui ne pense qu'à gagner, et qui ne pense pas du tout à ses privilèges, et qui est quelqu'un de... De très carré et qui est un leader de ouf Donc manque de peau pour eux Leur euh, comment dire Leur bel élan comme à plusieurs autres équipes hein. On a dit un peu la même chose des Lakers On l'a dit aussi sur d'autres équipes et casser, ah, est cassé L'élan est cassé par une suspension bah, voilà, Exactement C'est comme, hein. comme ça hein. la saison NBA est suspendue Tu reviens en août avec la bulle Elle est fin juillet début août dans la bulle Alors à ce moment là bon Ok, tu démarres avec Clippers Lakers, c'est un match qui n'est pas très très bien géré, parce que c'est un comeback qui est notamment remporté par les, par les Boys de, de LeBron, hein, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. avec une grosse défense à la fin. Tu, tu, tu arrives au premier tour des playoffs, il y a quelques moments allez, intéressants, mais tu as surtout ces séquences qui vont prendre vraiment le, la, la part la plus importante en termes d'attention médiatique et publique, qui est... Pas de Beverly, Marcus Morris, Paul Avec George Lillard. qui se foutent de la gueule de Damien Lillard. Salut mec, tu ne vas, tu vas même pas aller en playoff. Pendant que Lillard essaye de se démerder pour foutre tout l'Oregon sur ses épaules, on en a parlé dans la preview, et hisser les Blazers jusqu'au playoff, on a les Clippers qui arrivent un peu en détente dans le premier tour. Ça a beaucoup parlé. Ça a beaucoup parlé tout, tout, tout au long de la saison. Et là, maintenant, tu affrontes les Mavs qui ont pas tout à fait Porzingis, qui ont pas Dwight Powell, on a parlé dans la preview de Dallas, et qui se prennent quand même, allez, on peut discuter, mais l'une des, si ce n'est l'action des playoffs 2020, qui est quand même le step-back de Luka Doncic, c'est une énorme partie de la planète basket dit chez, chez les Clippers. Il y a quand même un énorme retournement de la part de beaucoup de gens qui décident et assez logiquement, hein, de pointer du doigt ces Clippers qui sont imblairables en fait. Ils sont assez emblairables. Il y a Marcus Morris qui se comporte assez mal et qui a des gestes euh, violents vis-à-vis -vis de Luka Doncic. Bah, Luca Doncic. Euh, il Pendant le reliquat de régulière, il ne faut pas oublier qu'on l'a vu ensemble, cette fin de match. Mais on n'a parlé que du buzzer beater de Devin Booker. Mais dans cette fin de match, contre les Suns, que, que les Clippers perdent et qu'ils auraient lui, certainement lui, pu gagner, dû même gagner, bah, oui. on oublie un truc qu'on a revu après en playoff c'est que Doc Rivers, lui, quand c'est un peu compliqué en fin de match, il fait bon. Euh, tu gères uh, Kawhi, c'est bon. Tu, tu gères contre les Suns, rappelle-toi. Ben L'autre, oui. il prend tous les ballons, il commence à tous scorer. On est la putain. Il est trop fort et tout. Oh là 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 là, horrible et tout machin. Contre les Mavs, on a une grande série de Kawhi Leonard. Pardon Statistiquement, bien sûr. clutch machin et tout. Sans cette grande série de Kawhi Leonard, Dieu sait ce qui aurait pu se passer. Hein ah, Donc attention. C'est ah, pas Patrick Beverley qui les aurait sortis de la mouise. Hein. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. ils, ils, ils ont tu, tu, tu vois des clippers qui rampent, entre guillemets, jusqu'au second tour. Ils ont jamais été vraiment, ils ont été pendant un, un petit moment un peu menacés par Dallas, mais tu sentais que la série était quand même... Ils étaient au-dessus et ils ça. sont passés, mais dans ils la douleur. Passés. Exactement, surtout que c'est dans la douleur, et dans la douleur, comme je disais, au niveau sportif et médiatique. Tu parlais, c'était très intéressant vis-à-vis de Doc Rivers. c'est-à-dire qu'on se dit, oh pétard, ne me dis pas qu'on va retrouver le Doc Rivers qu'on aime en tant que leader d'homme qu'on a loué il y a quelques mois en disant waouh rien avec l'effectif ce qu'il fait au premier tour face aux Warriors et là maintenant on retrouve les limitations stratégiques on voit en effet ces affaires aussi médiatiques je parlais évidemment de Pat Beverley et de, et de Paul George on a aussi l'affaire montrezarel arel euh, Luka Doncic euh, Bichas Whiteboy on a vu enfin c'était t'avais l'impression que tu pouvais pas passer 24 heures sans cueillir une punchline sur les clippers et comme si beaucoup de gens attendaient que chutent et la série suivante tu démarres contre Denver tu mènes 3-1 tu domines bien hein, le début de série hein. et tu gères en fait jusque là et là à partir du match 5 contre les nuggets faut le dire faut dire les mots ça va totalement partir en vrille et ça va choke mais d'une puissance va choke de ouf mais c'est 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 encore c'est encore inimaginable je, je ne comprends pas ce qui s'est passé ben on ne comprend pas, on en a fait une vidéo entière en lendemain de choke, euh, puisqu'on en a parlé dans la preview Nuggets, mais maintenant on peut en parler côté Clippers dans cette preview. Donc, euh, match 5, tu mènes de 16. 18, 16, 18, 18, 18 points. Ah. Tu te fais remonter, du coup, il y a 3-2. Match 6, tu mènes de 16, 18, 20 points aussi. Aussi, tu te fais remonter, il y a 3-3. Là on est là, on fait un, un Twitch live tous les deux sur ton canapé et tout. On dit non, quand même, on va pas parier contre Kawhi Leonard là sur un match 7 quand même. Mais c'est pas vrai ça, madame, et tout. Bah tiens, Kawhi Leonard n'a pas fait son match 7. Et quand Kawhi Leonard ne fait pas ce genre de match, c'est même plus que tu mènes et que tu te fais remonter. C'est que tu te fais déboîter. Exactement. Tu, tu te fais déboîter un. par une équipe qui joue vraiment au basket par un vrai ça. groupe. Ouais, tu te fais out-exécute par une équipe qui est censée être la moins solide, la moins expérimentée <coughs> et, avec le moins, et avec le moins de, de stabilité. C'est-à-dire que même si on parle de la stabilité de Denver sur la durée, quand on est arrivé sur le début de saison, on a dit Mais attends, l'expérience, la DNA de champion, de Doc Rivers, de Kawhi Leonard, de certains garçons qui ont connu tous ces, toutes ces grandes confrontations en playoffs. Tu as un effondrement total. Et à ce moment-là, c'est là que tu vois les fondations de ce groupe, c'est-à-dire quand ça commence à trembler, ah bah qui là. se regarde Que se passe-t-il Paul George, qui veut du pain Curia. Il y a de la tranche dans tous les sens. Doc Rivers, pff, une situation stratégique qui peut leur permettre de s'en sortir Non. Un leader vocal Zéro. Et vont ressortir, comme tu le disais là en préambule, par la suite, toutes ces histoires en interne, euh, via différents articles sur The Athletic notamment, d'un de, de, groupe qui n'est même pas sur la même longueur d'onde, mais alors du tout. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui pensent que les stars ont des privilèges, des stars qui font pas forcément le travail ni vocal ni technique euh, au quotidien. Enfin bref, c'est une Et explosion nous, on totale. on découvre, nous de l'extérieur, on découvre le cer certains détails des privilèges qui ont été accordés à Kawhi notamment, mais aussi à Paul George. Moi, c'est presque ce qui m'a le plus choqué. De quoi Parce que moi, dans ma tête, je m'étais bien dit. J'avais déjà entendu parler de l'histoire de Kawhi qui avait été autorisé à habiter à San Diego, tu sais. Ah, mais bien sûr. Euh, et donc, il arrivait un peu en retard aux entraînements. J'en je avais, déjà... avais déjà entendu parler. Je m'étais déjà dit Ah tiens, dis donc le Kawhi, ok, il a fait un peu sa bah, va. Permet, mais... Ouais. mais je m'en étais pas. Euh, comment dire J'en avais pas fait trop état parce que je m'étais dit bon, en même temps, quand tu regardes jouer les Clippers, pardon, mais genre, il assure quand même, quoi. Tu vois Genre, sur le terrain, euh... ok, il y a ce Game 7. Euh, côté Nuggets euh, qui est foiré par Kawhi aussi et du coup comme il est foiré par Kawhi comme je viens de le dire les Clippers n'ont pas de solution blablabla bla bla. mais dans l'ensemble sinon Kawhi quand il a été sur le terrain non, mais je le critique suffisamment souvent pour le... mais là quand même franchement non, le mec mais... il assure de ouf non, mais bien sûr et, il et, est monstrueux et, et, et tout à fait et j'en profite pour rappeler les chiffres pour ceux qui les ont pas euh, la dernière certes il n'y a que 57, mat... 57 matchs joués sur la soixantaine un peu plus euh, on est à 27 points, sa meilleure moyenne en carrière, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Non, non, mais y a On a toujours les 89% 80, 80, 80, au lancer, ouais. 38% à 3 points non, et non, 47% mais... au shoot. Enfin, C'est dire... monstrueux. Mais, là, mais, un mais un ça n'empêche pas que les privilèges sont complètement et dingues. Par contre, là, quand il y a d'autres infos qui sont sorties, notamment via The Athletic Et repris par euh, un blog euh, Spurs, Finesided. Magnifique de voir la vie de gens. Qui Alors là, ça point de vue Spurs. nous Alors, on a là, titré les ça. Les mecs te disent, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu. Hein. On vous avait nous prévenu, on a, on a titré ça, on a fait. Ok. <laughs> Connais-tu Chez Alors ouais. on a fait <laughs> Chez chez, Kawai, chez le tonton. C'est trop ça. Allez bim. Et donc là, là par contre, on apprend euh, des choses que là pour le coup qui m'ont beaucoup plus dérangé et que je trouve absolument lamentable. Deux points principaux pour moi. Là où on apprend que Paul George et Kawhi Leonard pouvaient choisir les matchs dans lesquels ils participaient, ça, moi, perso, je pense que c'est, ça va trop loin, ça va au-delà des passes droits. J'imagine que ça existe, hein, et qu'on ne le sait pas Attends, dans d'autres franchises. Oui. Attention, tant hein. mort. C'est pas ce que je dis, hein. Bien sûr, ça existe. Juste que, mais bien sûr, non, non, mais je suis pas, euh, je suis pas naïf à ce point-là. Juste que le problème, c'est que là, tu files ça déjà à deux joueurs, dont un. Qui le mérite éventuellement, peut-être, si tant est que c'est quelque chose que tu mérites parce qu'il assure, mais l'autre qui le mérite pas. Ah non, mais ça va Je contre, suis oui. désolé. Et, et quand tu vois ça, la mais... saison de Paul George, il doit être à l'entraînement comme Lou Williams, comme Montrezarel, comme Marcus Maurice tous les jours et il ne doit pas choisir ses matchs, il doit fermer sa bouche, il doit jouer. Totalement. C'est pour pas. ça que je dis, en, en effet, ce, ce, ce traitement-là, ça, ce pas possible. Quand tu es Stephen Curry et que tu es à Golden State, tu, tu, tu arrives, tu discutes avec Steve Kerr, il n'y a pas de problème. Quand tu es ouais. LeBron James et que tu vas aux Lakers, tu choisis, etc., il n'y a pas de problème. Quelque part, Giannis, il est encore jeune, il a de la compétitivité. Donc il le fera peut-être, et franchement. Il le fera peut-être, euh, voilà. exactement. Mais tu peux avoir certains garçons qui peuvent se permettre ça, fine. Kawhi Leonard peut, via euh, son, son, non seulement son palmarès, le. le, le, le le cachet qu'il ramène avec son arrivée sur le terrain en fait le fait qu'il a sur le terrain et aussi une certaine un certain historique au niveau des blessures peut se permettre de dire bon discutons ensemble pour faire en sorte quand même que le plan soit exécuté un plan dont toi et moi on parlait Alex dans la preview il y a un an qui était l'objectif des Clippers c'est d'avoir un Kawhi Leonard à 100% au moment où les playoffs y démarrent donc à ce moment là ok sauf que Paul George c'est comme si on commençait à dire oui alors breaking news Christophe Porzingis choisit ses matchs enfin t'es là genre attends oh 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 attends c'était comme un élève qui aurait 8 sur 10 de moy... 8 sur 20 pardon de moyenne à l'école et qui dirait « oh mais non mais je vais pas préparer mes contrôles Mais gros bah oui bah tu vas avoir 4 alors tu vois ce que je veux dire le bac blanc pas donné, pour euh... moi voilà tu vois le bac blanc bon, pas pour moi je, je pense euh... que c'est surcote. <coughs> ça ne ouais, oui. peut pas marcher et non, ensuite dans les mêmes euh, dans la même période dans les mêmes articles de ZI Athletic on apprend et là pour le coup moi vraiment j'étais là genre mais non que Kawhi Leonard a sa petite pièce privée pour avant oui, les matchs. Oui. Non, alors ça, par contre, je suis désolé, j'en avais jamais entendu parler. Non, alors si, Peut-être si. que ça existe dans d'autres franchises aussi. Peut-être que ça a existé. Ça je... existe, mais c'est. Certainement, peut-être juste là, par contre, grosse erreur. Non, mais De bien Kawhi, sûr. Des Kawhi, des Clippers. Après, je je veux pas dire. Ouais, Diva", je je m'en fous, en fait, ce n'est pas le sujet. C'est juste énorme erreur. Non, tout à, tu à fait. Tu ne peux pas te prétendre être un leader qui gagne le titre si tu ne traînes pas avec tes buddies juste avant le match. Je il, ne crois pas à ce truc. C'est indéniable. Ce que je veux juste dire par là, c'est que le trait a été aussi grossi comme tu si… Tu crois que les fans des Spurs, ils ont un peu grossi le truc Non, ce que je veux dire par là, c'est que même moi, en tant que fan des Spurs, et pourtant, tu vois, je vais m'apprêter à défendre un tout petit peu Kawhi sur ce trait-là. <laughs> Vas-y, défends-le. C'est que… Défend que... <laughs> ouais, T'inquiète, en plus, lui, en défense, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, autant, oui, ça a été révélé. Le fait que un gars comme Kawhi Leonard, par exemple, ne… ne... ne... N'était pas forcément autant avec ses gars et pouvait, et pouvait avoir sa propre pièce très bien pour euh, se préparer, etc. Très bien. Par contre, quand on commence à dire du coup, par conséquent, in fine, ça veut dire qu'il n'avait pas de moment avec ses coéquipiers, j'essaie juste de tirer un peu un trait. C'est-à-dire qu'il y a eu certaines situations dans lesquelles Kawhi Leonard parfois pouvait être isolé de ses coéquipiers et je ne le défends pas là-dessus parce que c'est grave. Par contre. Quand j'en vois qui disent, ouais, en fait le mec il a fait sa saison de son côté, il se pointait à l'échauffement, il était à l'entre-deux et en fait à la fin du match il faisait bonne soirée et il se retrouvait le lendemain dans un, autre, un vestiaire B ou un vestiaire K. Hein. Euh, non, je préfère juste tirer un trait un peu et dire je genre. Je pense oh. pas. Par contre, excuse-moi, juste avant le match, c'est là où faut être avec tes collègues. Ah mais, mais bien sûr, mais bien sûr. Pardon. Mais, mais, mais c'est et... là. Et, 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 Faut et, resserrer et, les coudes et se dire Ok on et est, est pour, gars. Et c'est pour ça que ce qui m'a choqué le plus Alex Et là oui je me permets de défendre ma maison C'est que pourtant quand t'as grandi dans une maison Comme celle noire et blanche de San Antonio Si t'es pas conscient de ça en ayant grandi Avec Pop, Duncan, Ginobili, Parker et compagnie Et que t'es passé par le vestiaire de Nick Nurse Kyle Lowry etc euh, Oh 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 c'est chaud C'est chaud c'est chaud donc, évidemment, ça fait un gros coup d'œil dans le rétro, mais il y avait plein de choses à dire. On a un petit peu débordé, mais en même temps, c'est ce qui non, fait on a débordé. On a dit ce qu'il y avait à dire. Malheureusement, il y, y a beaucoup de frustration et de déception dans cette saison des Clippers. Hein. Ah, bah, par contre, le coup d'œil dans le rétro, c'est indéniable. C'est un, une énorme déception. Et les fans des Clippers, c'est évidemment le poteau de Clippers France oh, à voilà. qui on a quelques pensées parce que là, ça pas a, qu a, a bien C'est hein. 226 millions euh, FR. Ouais, bah, ça, ça, ça pareil, on va y revenir. Ça, on va y revenir. Et je pense qu'on va y revenir dans la section qui arrive. C'est une transition, tout à Exactement fait. Exactement, magnifique. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'automne. Le marché de l'automne. Attention, il y a eu du mouvement. Boom. Alors, ils s'en vont. Boom, Doc Rivers, next. Après des années passées à la tête des Clippers, différents Clippers. Hein, les Clippers de D'André, Blake et CP3. Les Clippers de Shaggy Juice, Alexander, Landry Chamet et compagnie. Ça dégage. Joachim Noah, petite bise parce que retraite Retraite. Jamichael Green, Rodney McGruder, Montrezarel qui passe chez les Lakers. Putain. Oh, dans bon le cul Non, franchement, eh, j'étais choqué. Ah bah, j'avoue, j'avoue. Je sais pas ce qui m'a le plus choqué. Est-ce que c'est Montrezarel aux Lakers qui m'a le plus choqué ou, les, ou ce sont les déclarations de Jamichael Green à peine il avait posé le pied à Denver je sais moi pas ce qui je m'a le plus choqué. <laughs> moi je pense que c'est la prolongation de paul george dans le contexte financier qu'on connaît. <rire> <rire> Possible c'est Possible, alors oui, en effet, tu, tu mets le doigt, le, le doigt sur un truc. C'est que bah, allez, Doc Rivers, shoot, ça next. Joaquin Noah, ok. J'ai Michael Green, on en a parlé dans la préview des Nuggets pour ceux mm -hmm. qui l'ont pas vu. Ça arrive et ça dit, franchement, je suis très content de jouer enfin dans une équipe de basket parce qu'au niveau du cœur et de l'envie, il n'y avait rien là-bas. Il y avait ouais. que dalle. Rodney ouais. Magruder, ça dégage du côté de Détroit. Si je suis un petit peu son mm, parcours, oui. ou alors il a ça, été ouais. coupé, je ah, sais pas, il plus. bouge beaucoup. Lui, c'est un voyageur, hein. c'est ça. Montrez Arel, donc ça dégage chez les On va en parler tout de suite. Reggie Jackson next et Landry Chamette dans un petit transfert avec Luke Kennard. Euh, du côté Hop, de. Il se Brooklyn. retrouve honnête, Landry Chamette. Exactement. Alex, parlons en tout de suite, quand même, montrer qui a été quand même la, la figure de ce, de ce virage du côté des Clippers ces dernières années avec les chaînes, les locks, l'activité la, avec Patrick Beverley, avec Lou Williams, et qui va dans le vestiaire d'en face chez les Lakers. Putain, quand même. Que s'est-il passé il, il y a eu. Il y a un doute sur le fait que. Quel contrat a été proposé aussi à Montrezarel et, et, et au cours de la saison précédente, certains notamment de la Clippers Nation s'en souviennent. Un match, je crois, joué à New York, où Montrezarel avait un peu gueulé dans les médias en disant, de toute façon, cette équipe. Oui, c'est vrai qu'il avait fait ça, Montrezarel. Donc à la fois pas étonné et en même temps, putain, la. Bah, Il y a un peu de quoi. tout ça. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'il a eu les Lakers. Bah, c'est bien même. joué de la part des Lakers, mais parce qu'il aurait pu, tu vois, genre Montrezarel. Il aurait fait ça et puis il aurait signé, je pense n'importe quoi à Boston ou à, tu vois, genre, à Portland, bon, voilà. ce que tu veux, on serait là. Enfin, bon, ok, il avait envie de se casser. Là, il avait envie de se casser, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et en plus, il a dit quoi Vous savez quoi J'ai envie de me casser. Par contre, je n'ai pas envie de déménager. Donc, je vais garder mon appart à Hollywood. Je vais changer le papier peint. Et voilà, <laughs> exactement. Je vais juste changer la, la gueule des posters. <laughs> ouais, ouais, sérieux. Je vais parce remettre que un chaud, gros chac. Hein. C'est ça. <laughs> Un gros chac à la place de Michael Oluokandi. Non, mais par contre, c'est chaud, Alex, parce que, quand même, tu, comme tu le dis là, changer de franchise, ok, c'est quelque chose. Mais là, si tu vas chez les Lakers, c'est aussi pour la foutre aux Clippers. Ne mettons pas les sous-titres là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que si tu veux être champion, faut que tu passes sur le corps des Clippers. Donc, à mon avis, il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des comptes à régler. Il voilà. y a des sûr. comptes à régler de ouf. C'est évident. Il y a beaucoup de frustration des deux côtés. Et Montrezarel, en gros. Ce qu'on comprend là, c'est que non seulement il en avait ras le cul de ce vestiaire, en plus il a bien l'intention de continuer à jouer le titre et à se donner. Donc c'est dit, allez les Lakers, vous me filez quoi Ah bah très bien, ça me va. Allez, je prends. Allez, Bonjour. je prends. Exactement. Donc il rejoint la team de LeBron. On en a parlé dans la preview de, de, de ce dimanche euh, avec LeBron et Anthony Davis et compagnie. Euh, prolongation. Quand tu as vu un petit peu les pièces bouger sur l'échiquier, Patrick Patterson, pour pas cher. Marcus Maurice, tu le prolonges pourquoi 4 ans et 60 millions, un truc comme ça, si je dis pas ouais. de bêtises. Un peu chéro, mais bon. Moi, un peu chéro, chéro. On, ouais. on, on reste dans le contexte du un peu chéro Un peu, ouais. Pas non plus, genre, je dis pas, il est genre, oh, c'est cause délire, il devrait avoir 3 millions par an, mais. Non, bien sûr, mais je te. Par là, an je... Sur 4 ans. Bien sûr, mais Moi, là, je, je trouve te trouve une... ça un peu chéro pour Marcus, ouais. Tout bah à fait. Ouais. Je te fais juste une passe de aller parce que dans, si on reste dans le contexte Chéreau, c'est qu'à la troisième ligne, y a, y a... ah bah oui non non. Alors là, on a Monsieur Paul George. Bah, eh, franchement, eh, quand tu fais une saison calibre MVP comme vient de nous pondre Paul George, c'est normal. Derrière, t'as le max. Non, ça marche pas. <laughs> tu, tu, prends. Tu... J'étais très surpris de, de, ce, de, de la longueur et du montant. Très surpris. Alors, sur le, sur le court terme. Je comprends. C'est-à-dire qu'on est tous surpris en se disant Putain, tu sors d'une saison comme ça, etc. Waouh, c'est chaud. Maintenant, moi, de mon point de vue, le côté négatif, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est quand, quand tu regardes la difficulté qu'il y a eu à avoir certains transferts, à réaliser certains transferts, et à déjà verrouiller George sur de tels montants jusqu'à 35 ans. Il a 31 ans déjà, Paul George. Hein. C'est que tu vas te retrouver avec là, un hein. Paul George à 50 millions de dollars la saison à 35 ans. Je veux dire, la route, elle est déjà tracée. On sait comment ça va se passer au niveau des discussions autour de Paul George dans quelques années. Ou alors, il commence à avoir un niveau de jeu à 35 piges. Il nous fait une Lebron. Eh ben, vas-y. Eh. Rec cette phrase. Hein. Paul George qui nous fait une Lebron. Non, ah, mais j'y crois pas piges. un instant. Je, nique, je, je préfère être clair. Je n'y crois pas un instant. Je pense que les Clippers voulaient assurer des choses, je pense que le management des Clippers a fait ce genre de choix pour passer aussi un message à Kawhi parce que faut faire prolonger Kawhi après hein. Mais bien sûr et puis tu t'évites ah. une free agency 2021 où tu es comme ça parce que tu es sûr d'avoir Paul George. Exactement. Donc je pense que c'est ça l'idée et je pense que le clan Paul George en a admirablement bien profité et a admirablement bien tiré les ficelles qu'il fallait tirer et a dit bah OK les gars, nous on veut bien, par contre on veut 5 ans au max. Voilà, vous voyez, c'est vous qui voyez. Et Si vous ne nous filez pas ça, bah, peut-être on sera free agent dans, dans un an en fait. Bien sûr, et, 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 et c'est bien joué tout à fait de la part de l'agent, et, et ça peut être aussi bien joué de la part des Clippers qui, on peut dire ce qu'on veut, mais ont recruté. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont récupéré Paul George l'année dernière, et que Paul George il y a un an, on était tous là en train de se ah dépoussir bah, les épaules, on était MVP, là, hein. George. Euh, podium MVP, donc ah. c'est aussi cette version qu'on essaie de retrouver. C'est un garçon qui, peut-être sur ses saisons à 31, 32, 33 ans peut Avoir un niveau de celui qu'on attend qui est top 10, top 10, top 15 joueur mondial comme il l'a montré précédemment, donc bah, le, le pari est là. Clair, il y a intérêt, et, hein. et c'est ça le truc c'est qu'il a plutôt intérêt vu que les Clippers ont mis le montant. Je remets le gros tableau, vas-y, tu vas y tu as les dire. Surtout qu'en plus, Bastien, euh, là on l'a pas trop agressé encore, Paul George, mais honnêtement, c'est playoff à Paul George. Non, mais stop, c'est quoi comme genre de playoff C'est les playoffs d'un joueur max, ça non, bien sûr que non. Sûr voilà. Que non. Donc qu'on soit bien clair, est-ce que c'est la première fois que Paul George fait pas les playoffs d'un joueur max Non, tout je à crois fait pas non plus. Non, bien sûr, Donc du coup, c'est ça ce qui fait qu'on l'appelle Il y a, y, a, y a un petit passif, c'est aussi pour ça que moi je suis surpris, quoi, et toi aussi j'imagine. Bien sûr que je suis et surpris... à un moment donné, tu es là, tu Oh. Non, mais, bien, sûr, bien sûr que je suis surpris, parce qu'on a tous dit euh, Playoff pi, P, PayPal P, Playoff peace P, c est, c est, Way of les... P. Way of P, non mais tous les sont sortis. Way, Way of P, c'est quand même mon préféré, Écoute-moi, c'est PayPal P. Ça y est, maintenant il est tombé. <laughs> euh, mais mais c'est moi évidemment, que je suis comme toi et comme beaucoup de gens, je me dis Attends, il y a un manque de logique dans la continuité si tu dis Voici ces récents playoffs et voici ce qu'il fait. Que ce soit avec OKC ou que là, ce qu'on a vu avec, euh, avec les Clippers, tu te dis Merde, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que ce qu'on a vu là, pour faire un tout petit passage sur le marché d'automne, le coup de dans le rétro qu'on faisait juste à l'instant, que dans les déclarations dont tu as parlé, c'est qu'il y a aussi des joueurs qui ont commencé à faire. Ok, League Source tel uh, The Athletic qu'il y a beaucoup de joueurs réservistes ou remplaçants qui regardent Paul George. On ne va pas citer quel joueur, mais à mon avis Montrezar elle peut être dans le groupe qui regarde Paul George et qui disent mais le mec, on est en sortie de game set, on est en sortie de game set perdu face aux Nuggets et le mec il arrive et il fait les gars on jouait pas le titre. On... Alors, déjà, publiquement, on ne pas à titre, mais les gars, il faut qu'on retourne à l'entraînement, il faut qu'on bosse. Frère, t'étais pas à l'entraînement avec nous, t'étais pas forcément là dans les grands as moments. Tes as matchs. Tes mec. Match. Donc, juste si tu as le salaire qui va avec, il faut qu'il y ait l'attitude qui aille avec, et c'est ce qui est attendu par les Clippers. Et c'était le gros problème de ce, ce pseudo-monstre à deux têtes que les Clippers ont essayé et sont encore en train d'essayer de construire le Kawhi Paul George. C'est d'un côté, t'as un mec qui assure sur le terrain, mais qui se comporte un peu comme une diva bizarre, un peu qui parle pas trop, dont, dont le leadership, on va dire, peut être critiquable, kawaii. Il Et il de l'autre côté, t'as Paul George qui se prend pour ce qu'il est pas, Tout à pour l'instant. Et fait du fait. coup, ça, c'est un gros problème, en fait, <laughs> parce que Parce que moi, si le, si le Paul George qu'on a vu en régulière euh, avec Westbrook au Thunder, euh, le candidat MVP, s'il jouait comme ça en playoff, bah, déjà, on parlerait pas du choke contre les Nuggets. Bien sûr. Tu vois Et on serait pas en train de se poser la question de « Ouais, alors attends, ce Paul George-là, là, là qu'on vient de voir en playoff, il est où dans la hiérarchie des ailiers ?» Il est où dans la hiérarchie des ailiers, là, avec ces playoffs-là Je veux dire, hein, pas le Paul George global. Moi, le Paul George global, c'est un joueur que j'adore. Mm -hmm. C'est d'une polyvalence incroyable. Il a tout. Il a le handle, les qualités athlétiques. C'est un des le joueurs shoot. les plus élégants de toute la planète. Il est quand... élégant, oh, il la peut la... défendre de ouf et tout. Enfin, moi, je, je, je le trouvais énorme. Juste là, ça fait plusieurs saisons de suite où à chaque fois, en playoff, je fais… Mais attends, bah, Il en playoff, je suis là, hein. je fais, mais c'est Michael Bridges ou c'est Paul George Non, c'est ça, ouais. Oh, c'est ah, là. Non, non, mais, 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 mais vous voyez ce que je veux dire. Mais, bien sûr. C'est c'est… C'est un peu compliqué. <laughs> euh, Théâtre, genre, t'es là, tu fais non, mais merde, quoi. Bien sûr. Je remonte juste le tableau parce qu'on on se permet sur cette, cette prévue un petit peu de dévier. On a fait les « ils s'en vont », on a fait les « y prolongent ». Ils arrivent quand même. Il y a eu du mouvement. On parlait de Luke Kennard qui arrive dans un transfert avec nos amis les Pistons. Euh, il y a du positif, là. Hein, Et tu as quand même Nico Batum que tu as récupéré, évidemment, du côté de, de, de Charlotte. Donc, une petite signature pour essayer justement de, de l'avoir en sur le banc, on en reparlera dans le 5 majeur. On a Sergi Bacca, quand même la belle signature pour renforcer le secteur intérieur après le départ de Montrez-Arel. Très intéressant aussi, on va en reparler. Tout ça sous les ordres d'un coach qui fait son retour en tant que head coach, monsieur Tyrone Lou. Honnêtement, moi euh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette colonne ils arrivent des Clippers. Là, on vient de détailler là pendant. Hein, dont Tyron Lou. Attention, t'avais pas tout à fait le même avis sur Tyron Lou. Hein. Oui, non, non, tyron Lou me fait pas rêver. C'est vrai que j'étais plus sur les joueurs. Non, non, j'étais plus sur les joueurs. Non, tyron Lou, ça me fait pas rêver. Après, ce qui va moins me faire rêver que Doc Rivers, moins me faire rêver que Doc Rivers, je pense que c'est pas possible. Donc euh, bon, voilà. tyron Lou, bah non, oui. Après, je sais pas comment dire. Dès le début, on avait un peu compris que ça allait être comme ça. J'ai un peu fait une croix dessus très vite en fait, tu sais, sur les Clippers qui vont chercher un peu à recruter un autre style de coach. J'ai un peu fait une croix dessus très vite. Ouais. Euh, J'ai envie de, J'y crois pas beaucoup en lui et tout, mais je pense que ça se joue pas mal ailleurs. Ça se joue pas mal dans... Tu vois, ils lui ont ramené des bons assistants. Ah eux, bah, par contre le, le, le coaching staff de, de Tyron Lewis c'est suprême. Et je pense que la saison des Clippers se joue complètement ailleurs que dans la tactique euh, sur la saison Bien à sûr. venir. J'en parlerai plus tard dans d'autres dans d'autres rubriques, mais dans juste moi Ibaka, Kenard moi j'aime beaucoup ça. et Batoum mais, et Batum, mais Batum quand même hein. et, et Batum Batum, qui peut apporter euh, dans un rôle qui lui ira parfaitement prendre... j'aime beaucoup aussi il va apporter un truc qu'ils ont pas aujourd'hui aux Clippers donc je je non non tout à fait à voir ce que Batoum a réellement la détermination d'apporter non, on l'a vu dans des interviews récemment, je pense qu'on qu va voir un Batum euh, très intéressant, moi personnellement. Cas, non, si, bien sûr. Qui si joint des... les actes aux paroles, on va voir un Batum très intéressant. Sans se mettre des attentes de fous furieux, on a plus un rôle qui peut lui convenir, qui est celui dont il parlait, de Glue Guy, dans une équipe qui veut aller jouer loin. Il aura l'occasion de pouvoir aller loin, justement. Et euh, je, là où je te suis, c'est qu'en effet. Je pense que les Clippers ont très bien rebondi. Quand on est arrivé au début de la free agency et qu'on a vu Montrezarel partir, on s'est dit wow, 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 c'est en train de partir en sucette. Et là, même si on peut mettre des points d'interrogation sur la prolongation de Marcus Morris et de Paul George au niveau des montants, on a quand même dans la colonne arrivée des choses assez satisfaisantes. Je suis d'accord. On va devoir enchaîner avec une autre petite section stratégique Oui, bah disons que Tyron Lou va falloir qu'il mette 5 joueurs sur le terrain. Donc Tyron, c'est 5 joueurs sur le terrain. Oh, t'es salaud. À mon avis, il y a des choses intéressantes à mettre en place. T'es chaud Allez vas-y. Ouais, ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur, Alex, on reprend les bons réflexes. Le point, il est tendu. On a un meneur. Un arrière, un ailier, un ailier fort, un pivot. Attention derrière toi, il y a Jamal Murray. Nous sommes dans le bureau de tyron Lou. Et nous allons essayer de mettre 5 joueurs sur le parquet à l'entre-deux. Vous pouvez participer à ce jeu. Puisque à chaque fois, pour chaque franchise, on pose la question. Y a-t-il des verrous dans le 5 majeur des Clippers À la mène. Pas de Beverley. Au poste d'arrière. Paul George. Paul George. Au poste d'ailier. Kawhi. Kawhi Leonard. Au poste d'ailier fort. Marcus Maurice. Marcus Maurice. Et au poste de pivot. Titulaire, je dirais Zubac, mais je pense que c'est Ibaka qui aura le plus de minutes. Mais le titulaire, je dirais que c'est Zubac. Ivica Zubac. Normalement, nous sommes plutôt d'accord. On n'a pas arrêté de dire du mal, là. Sur la section coup d'œil dans le rétro, on n'avait pas le choix. Sur la section marché des transferts, notamment les prolongations, <laughs> nous obligeaient à critiquer un peu. Bien Maintenant, sûr. il y a un moment donné, là, sur le constat tactique. Il y avait un effectif profond il y a un an, il y a toujours un effectif profond. Ah bah il y avait dit, un effectif choix, hein. hyper talentueux il y a un an, il y a toujours un effectif hyper talentueux. Euh, là, on vient de dire voilà, tu vois, on vient de dire Beverly, Paul George, Kawhi, Marcus, Maurice, Zubac, ok. Ce qui nous laisse dans des rotations potentielles à chaud. utiliser du Lou Williams, du Lou Kennard, du Terrence Mann. Du Nico Batum, du Patrick Patterson il est encore là ouais, hein, ouais. je crois. Ouais, j'ai mis dans les Du Ibaka et après du Kabengele ou ah, du Kabengele, Oturu, là, Daniel Autourou, ouais, tout à fait. Tu, tu non, ça. mais c'est très, très profond. C'est très profond. Terrenou a des, as à des options dans tous les sens. Je vois que certains juste <coughs> pourraient potentiellement réagir en disant... Ah que se passe-t-il vis-à-vis de Nicolas Batum On l'a vu en titulaire sur certains matchs de pré-saison. Là où je suis d'accord avec toi, il faut remettre quand même euh, les points sur les lits, c'est qu'au niveau des responsabilités qui sont prévues, on devrait plus avoir un Marcus Maurice qui revient de ses soucis au genou et qui est titulaire. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Et je donc pense. on aura plutôt un Nico euh, en, en sortie de banc. Par contre, comme on a parlé pour certaines previews, quand tu as un petit peu, parce qu'il va continuer à en avoir un petit peu de management pour Kawhi, pour Paul George, pour Marcus Maurice, pas étonné si certains soirs, on a Nico Batum qui est inséré tout de suite dans le 5 majeur pour essayer d'avoir ses responsabilités sur les ailes, parce que ça fit assez bien quand même. Ouais, et puis euh, voilà, euh, je te dis, on va voir. Euh, mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Nico Batum, polyvalent, qui sait tout, un peu tout faire sur un terrain, qui défend bien et qui est capable de rentrer quelques tirs. Franchement, les Clippers, ils avaient pas ça l'année dernière. Bah, tout à fait. Et sur, surtout on, 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 là où ça fit, je pense, assez bien avec lui. Et, et, et je pense que pas mal de gens seront d'accord là-dessus. C'est que autant à Charlotte, on attendait un, un, un scoreur. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui attendaient. Et on était en droit d'attendre, avec les, soit au niveau contractuel, au niveau des déclarations qui avaient été faites. On avait des attentes au niveau du scoring et de cette espèce de figure prédominante dans une franchise. Nico est plutôt à l'aise lorsqu'on est un petit peu plus à l'ombre et on essaye de jouer le ciment. Il a parlé souvent de faire le rôle à la Igodola ou à d'autres joueurs comme ça qui sont capables de vraiment Combler vois et bien dans ce rôle. Et dans ce rôle-là, sur là, Nico, il a 32 piges. Il arrive dans une franchise où, justement, on va lui enlever cette étiquette de joueur à 30 millions l'année. On va enlever cette étiquette de qu'est-ce qu'on attend en Fantasy League au niveau des points. Et juste, tu arrives, tu défends le meilleur joueur adverse. Tu félicites tes coéquipiers et ça lui va très bien, ça. Il exécute puis, ce qui se passe au niveau du coach. Et puis nouvelle expérience pour lui aussi, nouvelle ville. Euh, Nico, il a jamais joué le titre encore, hein. que je ne dise pas de bêtises. On est d'accord. J'aime bien les Blazers de l'époque, mais pourtant, ça ne pas le titre. Non, bien sûr. Donc là, il joue le titre. Donc là, il peut avoir un vrai rôle, avoir les minutes, comment ça va être géré, Tyrone Lue par rapport à ce que tu disais et tout. Mais moi, je pense qu'il va avoir un vrai rôle dans une équipe qui joue le titre. Bien sûr. Et d'ailleurs, je le vois là sous les sous les yeux. J'ai un petit peu le. le la, la la death chart comme on dit hein, l'effectif le, le, des clippers euh, derrière lou williams c'est le joueur le plus âgé de ce groupe hein. donc je veux dire il va avoir aussi on, on va pas lui coller une étiquette de joueur qui a déjà joué la bague puisque comme tu viens non. de le dire ça va être la première fois mais par contre d'être ce garçon qui parfois dit ok très bien ok on dit ce qu'on veut mais par contre pour s'assurer qu'un groupe puisse bien vivre il va être là il va faire le travail donc ça j'avoue c'est assez intéressant comme tu le disais si on fait poste par poste derrière pat beverley tu auras des options de, ouais, de William souvent qui prend un peu la main quand il rentre il a le ballon dans les mains on va dire quoi c'est ça en attendant quand même d'avoir un Luke Kennard qui peut être intéressant aussi Pareil, en bowling genre de rôle en fait les deux hein. c'est ça en Ball and link, tu peux avoir un garçon en Luke Kennard qui peut avoir un petit peu la gonfle et qui peut et qui peut gérer euh, non c'est effectif qu'est-ce qu'on peut dire Alex si, si on avait envie de dire bon bah, il manquerait potentiellement ceci ou cela bah euh, non sur le papier honnêtement sur le papier il manque rien franchement je veux dire t'as plein de joueurs qui savent shooter tu vois ce que je veux dire, genre tout le cinq majeur s'est shooté, bon sauf Zubac qui est pas un joueur de périmètre on va dire mmh. euh, sur le banc t'as Louis, Luke, Kennard euh, Batoum il peut en mettre, Patterson il peut en mettre Ibaka il peut en mettre, enfin laisse tomber tout le monde s'est shooté. Mmh. ensuite moi j'aime autant, genre j'ai été un peu genre mon Trésor, est, il va au Lakers, autant demain tu dois rejouer des gros pivots, salut Nicolas Jokic eh ben, tu sais que je préfère lui mettre Ibaka que mon mais tout, sur tout, la bouche. Mais hein. toute mais tous les et jours. Évidemment. Et toute année. Moi, je pense que sur ce plan-là, strictement protection de cercle défensif, ils ont ah ben. gagné. Ah, mais les, les Clippers. Les tout à fait. Les Clippers peuvent proposer des line-up défensifs bien plus intéressants, je pense. Bien plus variés. En fait, mm -hmm. là où on avait peur, aux putains, putain, Anthony Davis, comment ils vont gérer les Clippers si jamais ils doivent le gérer une série bon, On n'a pas eu l'occasion de le voir parce que Jokic nous a montré avant qu'il ne pouvait pas. Oui, oh, puis on n'a pas eu l'occasion de voir un humain arrêter Anthony Davis en ce moment. C'est bon, euh... clair, non, mais tu vois, ils n'ont même pas eu l'occasion d'essayer, en fait, vu qu'ils se sont fait déjà fumer par euh, Nico Jokic. Et je pense que Ibaka peut être d'un grand intérêt en termes d'expérience et de progression pour Zubac. Clairement. Et en plus, je pense que Ibaka, quand arrive en playoff, ça va. L'autre, Sergio. Il Connaît la musique. Ah, mais il a il connu... sait mais bien. sait les sûr. gros pivots, les gros intérieurs, il saura les jouer, il saura les énerver. Il a son petit caractère, hein, le Sergio. Attention. Ah, mais hein. bien, bien sûr, c'est pour... Et en plus, il défend bien, il est costaud, il a vraiment. Ouais, il ah, a non, joué mais bien Lee sûr. toute une partie de sa carrière, mais maintenant, c'est un pivot. Oui, il peut jouer euh... pivot et on l'a vu être capable de sortir du banc. S'il y a bien un garçon la dernière qui nous a réalisé une grosse saison en sortie de banc avec les Raptors et qui a ah, dit Vous savez quoi C'est hein. pas grave. S'il y a Cam, il évolue, fine. Moi, je vais être en sortie de banc et je vais faire le truc. Demain, quand on arrive dans une grosse série, les voix vox qui ont des, des bagues et qui peuvent dire « les gars, on ferme nos gueules », c'est Tyrone Lou, Kawhi Leonard et Sergi Bacca. Et, et, et Sergi Bacca, il arrive et, et il, il dit « les gars, stop ». Et il trois en plus. Ah mais bien sûr, bien sûr. Parce que moi, je veux bien voir les extérieurs, les intérieurs adverses non seulement être défendus par Ibaka, mais en plus être obligé ah, de suivre fait. le Sergio là, ouais. quand il pop et tout là, à 7,50 mètres. <laughs> C'était ouais, une des signatures donc, les je, plus... Je, 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 je kiffe cette signature ouais. pour les clippers. Les, on en parlait dans le marché de l'automne, c'était une des signatures les plus sous-estimées ou en tout cas les moins mentionnées alors que Dieu sait s'il y avait des franchises sur Sergio, donc ça ça va être pas mal. Tyron Lou a du matos. Tyron Lou quelque part comme on l'a dit est bien assisté puisqu'il y a eu du Kenny Atkinson qui l'a rejoint quand même sur son banc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. On hein. en parlait beaucoup de Kenny Atkinson en sortie de Brooklyn. Euh, donc il y a, y a un équilibre moi que je trouve hyper intéressant, c'est comme si limite, même si c'était peut-être plus shiny la dernière euh, au niveau de, de l'effectif, là, on a quelque chose, je trouve, de plus équilibré chez les Clippers. Complètement d'accord, complètement d'accord, de plus équilibré. Moi, je trouve qu'ils y ont gagné dans la raquette rien que par Sergi Baka. Ouais. Et je trouve qu'on va voir comment vont se comporter euh, Luke Kennard et, et Nico Batum, ce qu'ils vont pouvoir apporter. Mais, entre guillemets, ça m'inquiète moins. Je pense que ce sont tous les deux des joueurs sérieux qui vont faire ce qu'on leur demande. Et je pense que sur les ailes... Je les adore, le du, du Nico Batum, mais le succès potentiel à venir viendra de, du niveau de jeu de Paul George et de Kawhi. Hein. Non, ça c'est sûr. Je veux dire, le soir où t'as un Batum un peu middle, c'est pas grave. Hein, si Kawhi et Paul George sont en feu, euh, ça, ça, ça passera ça, comme une lettre ça à la passera poste. passera hein. comme une lettre à la poste, exactement. Et donc, du coup, sur ce 5 majeur, évidemment, les fans des Clippers, sont vous attend dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez comme line-up préféré. Nous, Alex, on va devoir se poser une grosse question. Allez, on se pose une énorme question, une pregunta. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. On va devoir se la poser pour nos amis les Clippers. Alors, comme vous le savez, pour chaque franchise, on se pose une grosse question. Sur cette préview, on a été bien large. On s'est dit, putain, on va faire chaque section de une demi-heure. <laughs> Donc, on va pouvoir se faire plaisir. Euh, la question pour les Clippers, elle est très très simple, après ce qu'on a vu, évidemment, sur ces, sur ces, playoffs, euh, ces playoffs 2020. Euh, cet énorme choc, est-ce que c'est un mal pour un bien est-ce que c'est une équipe qui vient de se prendre une grosse tarte dans la gueule et qui aura la capacité de se relever Écoute, euh, j'ai envie de te dire oui, mais j'ai envie de te dire oui, mais il va falloir que ça vienne des joueurs, il va falloir que ça se remette en question et tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui étaient là l'année dernière. C'est-à-dire que on je, on m'a mis des énormes tacles à Paul George, Kawhi évidemment, là mm -hmm. et tout. On a un peu épargné Patrick Beverley dans le coup d'œil dans le rétro. On ne l'avait pas épargné quand on avait fait la vidéo débrief, rappelle-toi, à l'époque, c'était une autre époque, hein, c'était une autre vie, on était dans des poufs pour faire des vidéos. Euh... Patoche Beverley, il commence à avoir de l'expérience dans la ligue, il commence à être là depuis un petit moment. Il commence à On à casser sait qu'il qu hein. qu a une immense bouche. Le problème de Patoche Beverley c'est qu'il a une bouche beaucoup trop grande par rapport à ce qu'il est bon. Et donc je pense qu'il faut qu'il se... il est l'un des premiers qui doit se remettre en question. Garde ton agressivité, mais au lieu de dire que tu es un énorme défenseur, prouve le. Prouve le. Mentalement, sur le terrain, physiquement. Fais gagner des matchs à ton équipe avec ta défense et puis éventuellement quelques trois points. Arrête de te prendre pour ce que t'es pas et surtout, 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 arrête d'ouvrir ta bouche n'importe comment quand tu peux pas assumer derrière. Donc, il y a de la remise en question. Paul George et Kawhi, s'ils si sont ce qu'ils prétendent être, c'est-à-dire des immenses joueurs, leaders, qui peuvent jouer le titre et tout, bah, eux aussi doivent se remettre en question. Désolé, mec. Le groupe, s'il n'a pas marché, c'est en partie, peut-être en grande partie même, à cause d'eux. Bien sûr. Donc, il y a un moment où, où, où tu es le leader, ça doit aussi venir de toi. Je veux dire, là, on a beaucoup parlé, Luke Kennard, Nico Batum et tout, bien sûr qu'ils vont essayer de mettre du ciment, Sergi Baka et tout, mais s'il est leaders ne sont pas au taquet et ne sont pas en mode amende honorable en mode les gars l'année dernière genre moi tu vois Paul George je suis pas dans le vestiaire hein, mais pour moi il devrait arriver là au training camp il aurait dû il doit arriver là au training camp en mode les gars ce qui s'est passé l'année dernière ça se reproduira plus on va travailler mais différemment c est, c est... Et je m'en excuse je suis désolé on va, on rigole plus, on y va, on se remet au travail, on veut la bague. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça que le, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il doit avoir une remise en, en, en question évidemment des joueurs, parce que quand tu vis un choc pareil, en fait moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si s'il y a des groupes qui sont capables, a, on a déjà vu des groupes vivre des vraies désillusions et revenir encore plus fort la saison suivante, parce que parce que quelque part la difficulté les soudés. a soudés et que tu as un groupe qui connaît cette difficulté et sait comment la transformer en une force. Et c'est ça qui va évidemment m'intéresser. Les, les remises en question, elles sont évidemment totales, parce que quand tu prends un joueur comme Kawhi Leonard, euh, dont on a toujours loué les qualités de joueur, euh, technique, attaque, défense, compétitivité, etc. Très bien. Sauf que même toi, qui as déjà du défenseur de l'année, du MVP des finales, de, de, de la bague, de cette espèce de Dora qu'on a vu lors de la, la Free Agency de l'été précédent. Il faut aussi que tu te remettes en question. Parce que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est quoi en fait C'est qu'en fait, le, 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 le mec qui portait la voix sur le titre des Raptors, c'était Kyle Lowry, avec Sergi Ibaka et Marc Gasol. Ça veut dire que bah, quoi c'est euh... veut dire que tu étais le leader technique et statistique, mais en fait, derrière, c'était quoi C'est-à-dire que là, là ça toi, 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 tu es le franchise player de cette équipe. Il y a des spots qui disent que tu es toi. Le mec de Los Angeles, tu es de retour à la vieille. maison. Mais attendez, excusez-moi, mais c'est qui qui va enfiler une bague, là, le soir de l'Opening Night, ce mardi C'est Lebron, non Qui a débarqué et qui est arrivé et qui a fait elle hey, les gars, moi, je parle peut-être et encore nettement moins. Mais alors, par les contre, derrière, il y a les actes. C'est que moi, j'ai mon kilométrage, mais par contre, le boulot, il est fait. Quand je suis un mec comme toi. J'ai pas Kawai besoin Yoda, de me faire l'autre manager toute saison. Et j'ai pas besoin d'avoir une plateforme ou un mec qui va aboyer. Genre, c'est bon, il n'y a pas de problème parce que tu vois LeBron, il doit en avoir des privilèges de diva. Hein. Ah mais ouais, bien sûr dire, mais hein. c'est pour ça il doit en avoir de... un, des privilèges de diva. c'est pour le ça que c'est hyper et, bien géré. C'est qu -ce que, tu... que quand que... on en parle en vas-y vas-y. Pardon, sauf que ce que je veux dire c'est que lui, on n'en parle pas The Athletic a pas besoin d'en faire un article genre en mode c'est une grosse diva qui gagne rien quoi. LeBron a forcément des privilèges de diva. Mais bien sûr. C'est pour et ça qu'on qu qu dit il mais on s'en fout en fait parce qu'il assume. Parce okay. que quand il est là, en fait, quand il est là, ça gère. Et c'est pour ça que, notamment, quand tu dis des remises en question, c'est que quand on a un Lebron qui parle, par exemple, et c'est n'est pas pour faire forcément une opposition Clippers-Lakers, mais quand tu as un Lebron qui parle d'Anthony Davis et qui dit hey, « Eh, mec, maintenant, on serre les dents. Okay » Ok Toute ta carrière, là, il y a pas... Y a, on, on, personne ne nie ton talent, sauf que là, maintenant, tu vas te prendre des bâtons dans les roues, des taquets. Quand tu vas de la difficulté... Tu souffles un coup et tu te redresses et on y retourne. Parce que c'est ça, gagner un titre. Ben, Parce ben, ce ouais. que j'attends notamment des clippers, c'est que quand tu affrontes l'adversité, comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que ces gars-là vont pouvoir se dire, ok par rapport aux habitudes qu'on a eues précédemment, comment est-ce que cette fois, on fait les choses dans une dynamique beaucoup plus collective et qui cherche justement à fermer des bouches parce que c'est ce qui a été mentionné par certains joueurs là dans le camp d'entraînement des Clippers, c'est que certains arrivent avec le couteau entre les dents. Très bien. Mais je pense bien que de Alex le dire. Tu as... exactement, et... c'est ce que j'allais dire Alex, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et hey, moi, stop. Moi je veux les actes. Les actes pas juste le blabla parce qu'on a eu trop trop de blabla de la part des Clippers là. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc ça c'est le... le vrai premier point à mon sens. Euh qui est euh, mental dans le discours dans l'approche de de comment tu rebondis d'un choc pareil et d'une déception pareil ouais. ensuite moi j'ai un deuxième point tout aussi gros c'est que il va peut-être falloir aussi arrêter de croire que Kawhi Leonard il peut tout faire tout seul et il va falloir jouer plus collectivement enfin, alors peut-être qu que certains, ça vient mais... du premier point hein. oui mais moi je trouve que en fait, je trouve qu'ils ont été capables par moment de proposer du super basket, bien sûr, vu les joueurs qu'il y a, c'est évident. Et je trouve par contre que c'est là où tu vois que l'équipe n'est pas assez bien préparée tactiquement, et, et les, que ce soit les joueurs, le staff et tout, c'est parce que quand ça devient dur et qu'en face, bah, ça se laisse pas faire et que ça résiste, tu sentais, et là c'est certainement la faiblesse de Doc Rivers euh, là-dessus, on en a parlé et tout, et on verra ce que peut faire tyron Lou, attention, mais tu sentais que... Bah, ils étaient un peu genre merde, qu'est-ce qu'on fait comme on fait mince, vas mmh. non, bien sûr. Et ça, ils doivent travailler là-dessus aussi tactiquement. Tout à fait, il faut qu'il y ait une équipe qui joue euh, ensemble au basket. Et je vois forcément, et on, et on va y venir là sur Tyron Loup, parce que c'est quand même l'un des points euh, les plus importants de la saison à venir, c'est qu'il y, y a eu évidemment des, des, des ricanements. Et de notre côté en premier, quand on a vu Tyron lou revenir chez, là pour le coup en tant que coach principal là, chez les Clippers. C'est qu'on se souvient évidemment des limitations stratégiques qu'il y avait à Cleveland où on a souvent mis l'étiquette, c'est l'équipe de LeBron, et donc si ça se passe bien, c'est aussi parce que LeBron gère et qui rend n'importe quel coach, entre guillemets, très bon. Sauf 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 que quand même. On ne peut pas nier que les Cavs ont été plusieurs fois en finale de suite, qu'il fallait que le groupe y tienne et que en nous quand tu demandes aux anciens joueurs des Cavs, bah il y avait du taf qui était fait en fait. Il y avait du taf et, et je suis hyper curieux, j'avoue, de voir le, le retour de, de Tyrone Luce sur un banc en tant que coach principal parce que on aura des moments où on va se foutre de sa gueule, c'est certain. On aura des moments, Alex, où je me souviens de t'avoir en écho où le temps mort il n'est pas pris au bon moment et ça nous casse les couilles. Mais par contre, et on verra, elle, on jugera sur la globalité des résultats à un moment donné. Hein. Exactement. Et il y a un moment où en fait, si les playoffs ils débarquent demain, ben bah moi j'avoue. Entre Doc Rivers et Terre nous, bah, il euh, y en a un quand même qui nous a montré que dans la difficulté, quand parfois on lui changeait ses effectifs, sa rotation, etc., bah, il, il arrivait à trouver le chemin vers le titre. Quoi. Et j'ai bien hâte de voir, par rapport à tout ce qu'on a mentionné Après, là en il termes avait de privilège. dans son groupe. Hein. Tout à fait, mais... Demande à LeBron, demande à schumpert, demande à Kevin Love, à mmh. Kevin Irving, que quand il a été question de dire Kevin Love, eh, 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 viens on va discuter, ou Tristan Thompson, ça suffit ceci ou cela, eh bien j'ai bien hâte de voir le potentiel impact de la patte Tyron loup sur des sur joueurs. Kawhi et Paul George. Exactement, du coup, par sur des joueurs qui ont besoin de se faire un peu taper sur les doigts. D'accord. C'est bah, plus écoute, au niveau stratégique, je pense qu'on a des. Mais doutes. moi je suis, je suis assez d'accord avec toi là-dessus sur la gestion humaine. Je pense que tyron Lo, il peut il peut. Il peut apporter des choses. Je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi. Sauf que je voulais juste mettre le point sur le côté, genre, attention, on parle beaucoup là de choke, de gestion humaine, de mental, de diva et tout. Mais n'oublions pas que, faute de continuité lors de la régulière et tout, on a aussi pas mal vu, quand c'est devenu dur contre Denver, on a pas mal vu les Clippers qui étaient incapables de jouer. Ah ben bien sûr, Vraiment. ça reste du basket. Ça reste du basket. Il faut exécuter, et ça... et trouver des solutions. Je suis d'accord. Ah, tu sais quand on s'est moqué d'eux, genre on dit oui mais qui a marqué dans le dernier quart et tout. Bah eh, mais ça c'est un problème aussi tactique ça. Bien sûr. C'est qu'en gros tu sais plus comment faire. C'est ça. Et c'est ce qui fait que par rapport à la question de la mort, euh, ce, cet un de chaud. Qu'est-ce que c'est un mal pour un bien Je pense que voilà, comme on l'a résumé, oh, moi, je pense y a... que oui. Tout à fait. Je pense qu'il il a, a, il va y avoir le besoin net… Et clair, comme on l'a dit, d'avoir une réelle remise en, en, en question de la part de, de la plupart des joueurs et en même temps de, de prouver des choses plutôt que de les d'en parler et d'attendre que ça se fasse comme si c'était sur un, un plateau d'argent. quoi. Ouais, et puis les deux stars sont dans leur prime hein, au niveau de l'âge et tout, ah ouais. machin. Euh, non, 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 tu as des excellents roleplays donc je pense que oui, je pense que c'est une sale expérience mais que s'ils savent s'en servir et s'appuyer dessus. Euh, on a déjà vu des équipes le faire. On a vu les Spurs le faire en 2014 après ouais. des frustrations immenses. On a vu LeBron le faire. On... Enfin, tu vois, genre, c'est possible. Non, bien sûr. Beaucoup de choses à prouver. Beaucoup de joueurs qui ont des choses à prouver et, et des bouches à fermer. Du coup, dites-nous ce que vous pensez évidemment de cette question de la mort. Nous, Alex, on a un trophée du peuple à devoir décerner. Allez, un Golden, un Girard Magnifique. C'est l'heure du Girard d'or. Ah le Gérard d'or, le, le, le Gérard d'or, mon cher Alex Backflip. C'est géré. Ouais. C'est à la Clipper. c'est pas hyper propre, ouais. mais c'est géré. Mais c'est géré, exactement. Euh, vous le savez, le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. On le décerne pour chaque franchise. Un petit Gérard d'or pour Alex et un pour Bibi. C'est le joueur qui va nous faire cliquer sur Los Angeles cette saison. Alex, qui est ton Gérard chez les Clippers Luke Kennard. Luke Kennard, euh, j'en ai plusieurs Gérard potentiels, mais je trouve qu'on a déjà bien parlé du rôle à venir de Ibaka et de Batoum. Donc j'ai envie de me pencher un tout petit peu plus sur Luke Kennard, d'autant plus que c'est un joueur qui m'a pas mal surpris, qui a dépassé pas mal des attentes assez basses que j'avais placées en lui, hein, je dois le reconnaître. Et là après, il a eu une blessure qui a un peu tout gâché, mais là il semble être revenu. Et je pense que Luke Kennard peut vraiment apporter lui aussi dans son genre, euh, déjà pour lui. De s'entraîner avec des Beverly, des Paul George, des Kawhi, ça peut vraiment être une source de progression. Ou Lou Williams, tu vois, ce genre de gars. Mmh. Et ensuite, je pense que dans son style discret, mais qui joue, qui respecte des systèmes, qui est capable d'exécuter en fait de manière propre, sans être un fou offensif ni un fou défensif, il est capable d'exécuter de manière assez propre. Il est capable de tenir un peu la balle. Il a un shoot, ça on le savait. Hein, il a un shoot, il est capable d'en placer. Luke Kennard. Euh, moi, c'est plutôt dans, le, dans sa polyvalence qui m'a un peu surpris. Je ne pensais pas qu'il voilà, il, il peut faire pas le truc sur un terrain. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que dans la rotation des Clippers, c'est plus intéressant finalement d'avoir ce genre de gars qu'un Landry Chamette. Euh, si ça si ça clique, hein, si ça match. Parce que justement dans les trucs tactiques là que j'ai décrit dans la question de la mort où on voit bien ils savent plus comment jouer. Bah, tu vois, Luke Kennard, il peut te, il peut te débloquer une ou deux sûr. petites situations, c'est-à-dire qu'en fait, il va bien se placer dans le corner au moment où Paul George fait une différence, il va recevoir la balle, il va mettre dedans. Mmh. Par exemple. Ou, pendant le match, et que ça n'allait pas bien dans le troisième quart, mais tu as besoin de faire un peu tourner, bah, tu sais quoi, arrête de nous saouler Patrick Beverley, va t'asseoir sur le banc, on va filer la balle un peu à Luke Kennard. Mmh. Qui va nous la monter, qui va nous la tenir, il va obtenir un écran. Et puis après, c'est peut-être pas lui, tu vois, il y aura du Kawaii ou du Paul George ou les deux sur le terrain en même temps. Mais il, il peut avoir ce rôle un peu. Tu as parlé de Glue Guy pour Nico. Je pense que Luke Kennard, il peut être un Glue Guy tactique. Un vrai ah bah... Glue Guy tactique qui, en fait, euh, bouche des trous euh, de jeu des espaces de jeu où il n'y avait pas grand monde et c'est pas du tout Patrick Beverley ou Lou Williams qui vont prendre. Non, c'est clair. Donc j'aime bien le rôle potentiel qu'il peut avoir et je suis assez curieux de de, bah, de le voir évoluer là, cette saison. La première partie de saison dernière de Lou Kennard, euh, après l'avoir pas mal taclé hein. évidemment, les Pistons, les poteaux de Pistons... C'est un autre contexte. Hein. Le savent on l'avait pas mal taclé mais il avait pas mal progressé, c'est un autre contexte et puis à voir comment est-ce qu'il le... Comment est-ce qu'ils le considèrent Est-ce qu'il y a du bowling ou est-ce qu'ils se sont dit genre tiens tiens on perd Landry Chamet, on prend Luke Kennard pas tout à fait le même joueur Ah ben bah voilà exactement c'est pour ça si s'ils si sont pas trop bêtes ils vont se rendre compte que Luke Kennard peut faire peut-être il shoote un peu moins bien que Landry Chamet, qui est vraiment une gâchette de ouf encore que Luke Kennard il s'est shooté mais surtout moi je pense qu'il peut faire plus de trucs. Je suis bien d'accord. Euh... Qu'est-ce que tu fait toi, en Gérard on, a, on avait fait un beau couplet sur Paul George donc je vais le laisser de côté. Euh... <laughs> je vais tu prendre parler de Paul George ouais Je vais prendre Kawhi Leonard. Déjà pour une raison simple, c'est que tu en avais parlé sur la sur la preview des Lakers. Parfois, euh, un Gérard, on le prend parce que c'est un joueur que qu'on adore regarder jouer. <laughs> Pardon. Kawhi Leonard quand il est en forme et qu'il joue en fait. Faut pas oublier le, le, le plaisir que c'est de voir jouer un mec comme ça à distance, mi-distance dans la création. Il a tellement progressé dans le jeu de passe. En défense, ça reste une bête. mais même, 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 même. On vient d'en parler en long et en large. Le patron de cette franchise, c'est Kawhi Leonard. Une franchise qui vient d'être roulée dans la boue avec tout le monde qui leur marche dessus. On vient de le voir, lui, être exposé Bright Lights droit dans la gueule en disant, t'es une diva. Ouais, genre, euh, remercier Kailori et Margazon. Merci, gros, merci Duncan, Laurie, Pop et Nick Nurse. En fait, Kylori Leonard, c'est quoi On a vu toutes les, toutes, toute la hype autour un de ce match. eu de la chance, j'ai vu. Ah bah oui. Bon alors, du coup, sur le Gérard d'or, mon Kawaii, pourquoi Déjà, premièrement, parce que j'adore le voir jouer. Quand Kawhi Leonard est sur le terrain, c'est trop bien. Il y a une telle intelligence des deux côtés du terrain et une telle, un tel développement technique que j'adore le voir sur le terrain. J'aimerais le voir un petit peu plus sur le terrain. J'aimerais voir aussi si Kawhi Leonard, on en a parlé dernière, est capable de nous faire une saison de. MVP, on l'avait vu notamment ah. chez les Spurs, nous faire des saisons où il était sur le podium des finalistes du trophée de MVP, je veux revoir ce Kawhi Leonard. Ok pour le load management, ok pour tout ce que tu veux, d'avoir du repos pour être à 100% pour les playoffs, ok, mais il ne faut pas abuser. Il y a des gens qui l'ont droit dans leur viseur. Kawhi Leonard est attendu. Alors évidemment, on l'a dit, on l'a répété, on aura la production, parce que c'est un joueur beaucoup trop fort, mais on n'attend pas que la prod, parce que si dans un an Alex, on se retrouve... Et qu'on se dit, oui, Kawhi Leonard, c'était encore 27 points, et 7 rebonds, et 5 passes, et 2 interceptions, et du quasi 50-90 40 90 au, au pourcentage. Mais qu'on se dit, oh, c'était quoi le leadership, encore une fois comment, comment ça se passe au niveau de l'évolution de Kawhi Leonard 29 et on ans. On se dit, ouais, les bailes. Lillard et les Blazers, ils leur ont mis la race en demi-finale de confins, par et, exemple. Et exactement. Kawhi Leonard, on, 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 on sait qu'il va y avoir des challenges, et j'ai envie de dire, on parle de. On parle de LeBron qui gagne sa bague, de la suite de Luka Doncic, de la prolongation de Giannis, de l'évolution d'Anthony Davis, de ce qui va et se Jimmy passer Butler. avec Jimmy Butler et le Heat. Ou tiens, est-ce que tu as vu ce qui se passe avec Jason Tatum à l'Est Kevin où... Durant qui revient à Brooklyn. Waouh, bon, et tu as vu les Suns de Devin Booker et Chris Paul Mais quand est-ce que Kawhi Leonard va s'énerver et dire "Mais les mecs, les mecs, je suis un des cinq meilleurs joueurs au monde et non seulement je vais vous le prouver tous les soirs sur le parquet, mais en plus mon évolution en tant que leader et en tant que joueur" va se voir sur le parquet parce qu'on est d'accord Alex, on l'a placé dans un classement à un lundi la saison dernière mm -hmm. et on l'attend aussi bien, dans cette Il est bien à sa place, il est bien. Il est bien à sa place, mais quand est-ce qu'on va le voir Comme on l'attend aussi en MVP saison régulière, Kawhi Leonard mine de rien c'est 34 millions de dollars cette saison avec une player option à 36 millions. Est-ce que Kawhi Leonard sera agent libre la saison prochaine oh là là là. Potentiellement. Oh là tu l'as là là là. dit en préambule, les Clippers ont aussi fait le move de Paul George pour essayer de le conserver et montrer à Kawhi que en fait c'est ici que ça se passe. Eh bien, je viens voir si Kao Leonard nous fait, en fait, une potentielle contractière. Et à ce moment-là, Kao Leonard, 29 ans, des choses à prouver, une équipe qui vient de choc et t'as été roulé dans la boue. Montre-nous, mec. Montre-nous. Montre-nous que t'as pas juste besoin d'un vestiaire et des New Balance. Je suis Fun Guy, ça va deux secondes. Je suis d'accord. Il a merdé. Il le sait, hein, je pense. Il n'est pas débile. Hein. Enfin, je crois qu'il n'est pas débile. Non. Mais il le sait, tu vois. Euh, donc. La réaction, la revanche potentielle de Kawhi Leonard. Moi, je suis hyper impatient. Ah, et moi, je vais être franc avec toi, j'y crois. Moi, hein. moi, je ah pense ben. que c'est typiquement moi le genre de joueur. Moi aussi, j'y crois. Mais tu sais quoi et Moi aussi, j'y Mais sauf que crois. le leadership. C'est ça. C'est clairement pas son point fort. Il a vraiment un... là pour le pour une fois, je pense qu'il a un beaucoup plus gros challenge que tous les autres challenges. Exactement. Ah bah euh, tout à fait, tout à fait. Surtout que si t'es es bon, d'ailleurs, tu peux permettre à Paul George de ouf, parfois d'avoir des moments off parce que lui, ça lui va pas trop non plus le leadership. Donc en fait, tu commences à bah, tu commences à faire ce que peuvent faire des LeBron. C'est-à-dire, euh, non, non, Tyrone, nous, c'est un non-sujet. Les Clippers, s'y gèrent. Parce que Kawhi Leonard, en fait, c'est le trompe-pas. Ben voilà, bah voilà c'est ça, exactement. Je euh, du coup, dites-nous qui vous avez en Gérard d'Or, Kawhi Leonard ou euh, Luke Kennard ou d'autres joueurs, évidemment. Il y en a du Gérard Fond, c'est Marcus Morris, le euh, candidat favori, hein, évidemment, pour ce trophée. Alex, on va devoir changer de section Allez, un petit pronostic. C'est l'heure du pronostic Qu'est-ce qu'on a Est-ce que nos amis de Paris en sport nous ont sorti une petite cote de derrière les fagots qui le ferait bien Regarde ce que je te réserve pour aujourd'hui. Attention fan des Clippers, soyez prêts. Sortez la qui, la qui, la qui ta. Les Clippers champions NBA ah, 2020-21. Elle était à 6,75. Elle est à 7,75. Donc je rappelle que les Lakers sont à 5 en cote boostée et que les Clippers sont à 7,75. Je pense qu'il faut du culot pour, pour, pour mettre, le, pour mettre le, le, les sous là-dessus, mais pourquoi pas faut du culot Et en même temps, c'est quoi leur objectif aux Clippers ah ouais. Non mais je veux dire, les Clippers, je sais que Paul Jones nous a expliqué l'année dernière que ça jouait pas vraiment le titre, mais là cette année, ça y est, ils jouent le titre ou pas <laughs> Non mais franchement, honnêtement, c'est quoi l'objectif des Clippers cette ah saison La prochaine série où on est 3-1, ça va être incroyable. Ah attends, mais Bastien, es d'accord avec moi quand même Ah bah là, tu joues le titre Les Clippers, ils démarrent pas la saison avec autre chose comme objectif c'est pas possible. On verra ce qu'il va se dire, Alex. <laughs> donc moi, je dis que c'est tout à fait possible de miser sur cette cote. 7,75. <coughs> Est-ce que c'est du gagner d'avance Bien sûr que non. Mais je non. veux dire, les Clippers sont un candidat au titre. Les tout Clippers sont un contender et ils ne peuvent pas avoir d'autres objectifs cette saison. C'est pas possible. Je suis bien d'accord. Et donc sur ce, je vais te tendre la perche. Y a-t-il un over-under y a un over-under, il est à 47,5. Il est juste en dessous de celui des Lakers qui était à 48,5. Bon. Voilà. Je le trouve bien taillé. Ah, <laughs> je regarde, sustant. regarde le. Un petit peu, Juston. Eh ben écoute, je vais te laisser boire une petite lampe. Est-ce que tu es prêt pour tes 24 secondes Vas-y. Ok, magnifique. Alex, il est prêt. Moi aussi, vous le savez, 24 secondes pour annoncer le turfu des Clippers. On va le faire tout de suite. 3, 2, 1, Bobby Simmons. 51 victoires pour les Clippers, je les mets premiers à l'Ouest moi. Je pense que euh, on est sur une régulière où il y aura encore un peu de l'eau de management, mais il y aura beaucoup plus de sérieux, il y aura une meilleure régulière, euh, plus régulière de Paul George notamment, et j'espère des progrès en leadership et en vénéritude de la part de Kawhi. J'adore l'apport la de Ibaka, j'aime bien le look Kenard Batum, tout ça. Je pense que dans la longueur de la régulière, ça va payer. Le de de mais 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 c'est pas là qu'on les attend. On les attend en playoff. Donc pour moi, ils seront premiers de l'Ouest et après, je vais être comme as devant les matchs de playoff des Clippers. C'est complet. C'est carré. Très bien. Eh bien écoute, je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, top chrono. Je n'ai pas mis les Clippers premiers de la conférence Ouest. On va en reparler de ça, Alex. Je crois que je les ai mis deuxième avec une cinquantaine de victoires. On va voir le total. Euh, je n'ai pas besoin d'ajouter grand-chose à ce que tu as dit, si ce n'est, comme j'ai dit pour certaines franchises, tous les main events, je vais les regarder avec des jumelles. J'aime bien que tu puisses taper euh, les wolves, j'aime bien que tu puisses taper les Knicks, mais attention, on veut des Clippers qui répondent présents dans les très grands moments avec des très grands joueurs qui comprennent leur très grande responsabilité. C'est cette saison. Et je pense qu'on est un petit peu trop méchant avec Tyrone Lou, laissons-lui une chance. Bah, tu vois, c'est marrant parce que là, je suis pas tout à fait. Ouais, c'est bien, mais c'est bien, c'est intéressant. intéressant. De quoi bah, ben moi, justement, je suis d'accord avec toi pour les grands moments, mais justement, moi. J'aimerais bien aussi qu'il soit présent dans la continuité, c'est-à-dire ah que mais mais... c'est pas parce que tu oui, joues les que tu dois pas être en ce... sérieux en ah, fait. Bien sûr, Alex, merci. Mais ce que je, veux dire, je suis, suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on je, je ne peux pas attendre 72 victoires en 72 matchs. Non, non, mais bien sûr, c'est pas ce que je dis. D'ailleurs, j'en ai mis 50. T'en as mis combien toi au final, du coup Eh bien, regarde, j'ai mis 50 victoires. Ils sont deuxième à l'Ouest sur le gros 51, tableau, et tu les as en fait, mis en fait. premier à l'Ouest avec ouais, 50 Parce que, que moi, en fait, c'est un peu plus tassé que toi, en fait. Je comprends en termes de nombre de wins. Tu vois ce que je veux dire ou pas ce, ce qui fait que toi, que ton es. deuxième, il a quasiment autant de wins que mon premier. Hmm. Euh, à l'ouest, je parle. Hein. J'ai envie de dire, Clipper Nation, est-ce que vous vous voyez premier à l'ouest Est-ce que Alex va vous donner le meilleur bilan de toute la NBA On va voir, puisqu'il reste hey. une preview. Ils en ont besoin d'être ah. premier à l'ouest pour moi. Psychologiquement, ils en ont besoin. De comprendre que la régulière. C'est pas juste pour choisir ses matchs et, et rester peinard quoi. Ils ont aussi besoin de répondre dans les grands moments. Et c'est pour ça oh, que oh, 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 la oh, sur oh, oh, très très clair, notamment... Un, lors du match de ce mardi, Lakers Clippers avec la bannière qui monte au plafond. Et toi, t'es kawaii tu te dis putain de merde. Et ben bah, il va falloir que je le fasse aussi, mine de rien, hein, dans cette petite salle, la bannière ah, là, blanche. Il y a moyen que ça distribue un peu de sel là sur le match d'ouverture là oh, Ah bah là, là oh, ouais. <laughs> J'espère que vous aimez la bavette parce qu'il va y avoir du gros sel marin. <laughs> il va y avoir du sel pour tout le monde. Et évidemment aussi, je, si je dis pas de bêtises, je crois qu'à qu Noël, il y a un petit Clippers Nuggets. Ce genre, ce genre de choses, tu vois. On les attend en fait, il y a du statement qui est fait. Et on écrit des beaux et gros articles sur le site de Trash Talk par la suite. Du coup, évidemment, on ouais. vous attend dans les commentaires. Ce que vous pensez de cette preview des clippers Qu'est-ce que vous attendez sur les prochains mois euh, Je vous laisse comme d'hab avec le petit indice. Ah oui, j'en ai un quand même. Hein. Même si, bon, voilà, c'est briquet. C'est briquet. Allez. De ouais, toute façon, moi, hein. évidemment. Ou stylo, ça dépend. Ouais, Allez, ça. on se retrouve très vite pour la dernière des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Bisous. Ciao, ciao. ciao.